quand on sort de son état de dans son confort, c'est là qu'on ressent vraiment la liberté. Bienvenue dans le cœur sauvage de la Suède, où la nature règne en maître et où chaque pas est une aventure. Ici, loin des tumultes de la vie moderne, s'étend l'un des sentiers de randonnée les plus emblématiques du monde, le Kungsleden. S'étirant sur environ 440 km à travers les montagnes du nord de la Suède, le Kungsleden offre un voyage parmi des paysages spectaculaires et intacts. De vastes plateaux, des rivières cristallines, des forêts denses et des montagnes majestueuses forment le décor de cette épopée nordique. Dans ce reportage, nous vous emmènerons à la découverte de ce joyau de la nature scandinave. Préparez-vous à une immersion totale, étape par étape, où chaque détour révèle un nouveau trésor naturel. Bonjour à tous, début de cette nouvelle aventure, nous allons parcourir le Kungsleden du nord au sud, c'est-à-dire de Abisko jusqu'à Emavan. Et pour venir ici, nous avons pris un avion de Stockholm à Kiruna, où nous avons pris une bouteille de gaz, puis nous avons pris un bus de Kiruna à Abisko. Allez, c'est parti, il est 10h, on vous emmène à nos côtés. Pour réaliser les 440 km du Kungsleden, nous nous sommes donné pour objectif 20 jours. Après avoir traversé plusieurs rivières à l'aide de ponts, nous arrivons au rivage nord du lac Abiskojor. Nous en profitons pour faire une pause. Le poids de nos sacs se fait déjà ressentir. Alors nous sommes en totale autonomie et le sac de Lamia fait 15 kg, le mien 19 kg, incluant le matériel vidéo. Nous repartons et nous allons longer le lac pendant 4 km. Grâce à un pont, il est possible de rejoindre les chalets d'Abiskojor. Nous n'y allons pas car notre objectif de la journée est de bivouaquer près d'un lac qui se situe à environ 15 km plus loin. Nous quittons le parc national d'Abisko pour prendre de l'altitude. Tout au long du Kungsleden, nous aurons l'occasion de croiser des lieux de méditation, des zones spécialement choisies pour leur tranquillité et leur cadre idyllique. T'as vu, les chiens aussi font de la randonnée. Oui, oui. Tout fier. Elle s'éclate. On va peut-être lui faire porter nos affaires, hein. C'est une idée. Je pense qu'on prend un chien. Sur cette première journée, nous pensions échapper à la pluie. Malheureusement, nous avons dû sortir les ponchos. Nous essayons d'arriver au lac au plus vite pour finaliser notre journée. Voilà, on a trouvé un endroit pour bivouaquer. Donc là, on a un petit coin à l'abri pour mettre nos affaires au propre, faire le tri et faire à manger. Et là, notre emplacement avec une magnifique vue sur le lac. À demain. Réveil 5h, donc on a dormi moyen parce que et donc on a entendu le grincement toute la nuit de la passerelle là.
Voilà. Direction les chalets d'Alès-Jor, qui se situent à environ 4 km. Nous continuons à suivre le balisage. Il est impossible de se perdre. Il y a des marquages réguliers de peinture rouge pour le sentier été. Quant au sentier hivernal, il est signalé par des poteaux avec des croix rouges. La veille, des randonneurs nous ont informé qu'il y aurait une grosse tempête. Nous décidons d'avancer au plus vite pour bivouaquer rapidement pendant qu'il n'y a pas trop de vent. Première traversée de rivière. Donc la Mia, elle est comment? Elle est fraîche? Elle est gelée. Tu as traversé avec mes petites chaussures de la mer. Sandale, hein. Voilà. Et moi j'avais acheté des guêtres étanches. Voilà, bah, ça m'a bien servi. L'eau n'est pas rentrée dans mes chaussures. Donc nickel. La météo, vent, pluie et même de la grêle, commence à rendre notre avancée difficile. Nous sommes à environ 6 km du col de Tchaktcha. Grosse tempête dehors, plus vent, infernal. On a été obligé de monter la tente en urgence. Et on s'est mis dedans à l'abri du fer. On va attendre que ça se calme. Heures du matin, la météo s'est améliorée, donc on va monter par là-haut. La tempête nous a cassé l'arceau de l'entrée là. Bon, le principal c'est que les deux autres arceaux vont bien, on fera avec, hein, tant pis. Voilà, allez, c'est parti pour l'ascension du col, encore 5 km et on est frigorifié. Et de beau matin, une traversée de rivière. On a mis un petit mot sur ce troisième matin. Putain, je suis gelée, je suis trempée de partout. J'ai les pieds glacés. Ça va être dur. Nous passons à côté des chalets de Tchaktcha. Il nous reste donc environ 4 km avant d'atteindre le col. Le col de Tchaktcha, avec une altitude de 1150 mètres, est le plus haut point du Kungsleden. En cas de mauvaise météo ou de tout autre problème, il y a un petit refuge qui se situe au niveau du col. Allez, l'aventure continue, c'est bien réchauffé là. C'est du bien. Retour au froid. Et c'est parti pour la descente. Nous prenons notre temps afin de ne pas glisser dans la descente, puis une longue vallée s'ouvre à nos yeux. Elle est cernée de toutes parts par des montagnes aux versants relativement raides. Et voilà, elle a les pieds trempés là. Elle a pas voulu enlever les chaussures, et voilà. T'as les pieds trempés? Ah oui, mais de toute façon ils étaient déjà mouillés, donc pas grave. Le sentier continue, parallèle à la rivière, traversant à gué les divers ruisseaux qui viennent la nourrir. Le sentier rejoint les chalets Salka, situés sur une petite butte. Enfin! Oh là là, elle était longue cette étape.
L'étape suivante continue dans la vallée en direction de Singi. Nous sommes fatigués, mais nous sommes déterminés pour atteindre Singi afin de rattraper notre retard de la veille. Bon, maintenant on va falloir trouver un endroit où planter la tente. Soit on continue sur le sentier jusqu'à ce qu'on en trouve un, soit on essaye de trouver vers les chalets. Là ça a l'air pas mal. Voilà, on va la mettre là la tente. Bon voilà, on a monté la tente juste à temps, il pleut. Voilà, bah du coup on va manger le repas de midi froid de demain et puis le chaud on le gardera pour demain s'il fait beau. Ça va la mienne, tu fais quoi? Je crois que je me suis bouffée par les seuls moustiques qu'on a croisés. Il y en avait 3-4. Ouais, ils sont venus sur moi. Donc du coup ça me démange. Là, ils se font chauffer. Là. 4h30 du matin, jour 4. Voilà notre emplacement. Du coup, vu qu'on n'a plus de arceaux là, on a mis un bâton de randonnée de Lamia. Au niveau de Singi, le sentier se divise en deux. Celui vers Nikkaluokta, pour ceux qui veulent faire l'ascension du Kebnekaise. Le point culminant de la Suède avec 2097 mètres d'altitude. Et le second sentier, la suite du Kungsleden. Que Lamia emprunte actuellement, d'un pas motivé. C'est l'heure du petit déjeuner, on a fait 3 km. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on déjeune, des céréales avec de l'eau froide. Voilà. Qu'est-ce que tu déjeunes toi? Des bas. Barre de céréales? Oui. T'as l'air fatigué là. J'ai passé une mauvaise nuit. Ah ouais? Bon, ça ira mieux ce soir. J'espère. Allez, c'est reparti. Donc les sentiers se transforment en rivière. Nous continuons notre périple dans la vallée, le long de la rivière. Ça va mieux? Oui. Fait du bien, hein? Un peu de soleil. C'est un peu casse-gueule ces cailloux avec, avec la boue. Qui coule, la boue. Ah. Bon, nous sommes au chalet. Lamia s'est blessée sur une planche, elle a glissé. Donc elle s'est fait mal à l'arcade. Et là on en profite, là ils viennent se soigner, on en profite pour manger. Voilà. Ça va Lamia? Ça va. On a fait peur quand même. Hein. Après une grande pause, nous remontons la vallée du Ketumjor, quittant rapidement la forêt de bouleaux en franchissant la rivière. Ce qui marque l'entrée dans la réserve naturelle de Somdja. Nous entrons dans la vallée de Tössadalen, avec en son centre le lac Tössajor. Arrivé au chalet, une nouvelle épreuve nous attend. Nous devons traverser le lac en barque. Pour cela, 3 barques sont mises à disposition des randonneurs. Le principe est simple. Pour traverser, il doit toujours rester au moins une barque de chaque côté du lac. Cela signifie que s'il y a 2 barques quand nous arrivons, il n'y aura qu'une traversée à faire. Et s'il n'y a qu'une barque lors de notre arrivée, il faudra effectuer 3 fois la traversée afin de ne pas laisser un côté du lac sans barque. Et niveau sécurité, des gilets de sauvetage sont également mis à disposition dans une caisse. Ouais, pas de chance, il n'y a qu'une seule barque.
Alors là, il y a beaucoup de vent, vous voyez qu'il y a un sacré courant, donc on va pas tenter la traversée. On va attendre de voir s'il y a d'autres randonneurs qui arrivent de l'autre rive, voir comment ils s'en sortent. Et s'ils s'en sortent, bah, on ira avec leur barque et du coup on n'aura qu'une traversée. Bon voilà, nous avons décidé de planter la tente et attendre demain, voir un peu si la météo se calme. On a une magnifique vue sur le lac. Jour 5, il est 7h, ça s'est pas amélioré. Il y a des rafales et toujours qu'une barque, personne n'a tenté la traversée. Toute la nuit, j'ai regardé à partir de 3h du matin pour voir s'il n'y en a pas un qui tentait la traversée. Personne. Ils sont tous venus en bateau à moteur, donc on va pas prendre le risque. De ce côté, on retrouve bien les deux barques. On va profiter du calme avant la tempête en haut. Là, on est bien abrité, c'est parfait là. Avec ces deux chaussures. Allez, on y va, bravo. Allez, c'est reparti. Ouais, c'était bien galère, hein. Sous la pluie. Il y a de ces rafales, faut être hyper prudent. Ça pardonne pas là. Fin de la première section, nous avons parcouru 110 km. La section suivante se situe à 30 km. Pour la rejoindre, nous devons prendre un bus, puis un bateau jusqu'à Salto Llucta. Suite de l'aventure. Bon, alors là on hésite. Soit on continue, mais on doit prendre de la hauteur et on se tape à nouveau le vent. Et pour bivouaquer, ça va être compliqué parce qu'il est déjà 15h45. Ou soit on bivouaque en forêt. Je pense plutôt bivouaquer en forêt au calme. Sans vent. Un endroit comme ça. Un endroit comme celui-là. Regardez comment on est bien là. On en profite pour faire sécher nos vêtements. Voilà, parce qu'il y a du vent. Bon, il n'y a pas de soleil, mais il y a du vent. Départ 5h30. Jour 6. 19 km à faire et après il y aura une traversée de lac. Et ça grimpe de bon matin. Alors, pour nous ravitailler en eau, on utilise l'eau des rivières et pour ça on a un filtre. Et après on remplit nos flasques avec ça. Kilomètre 9, nous arrivons à un abri d'urgence. C'est une cabane, il y a disposition aux randonneurs. Donc en cas de mauvaise météo, c'est pratique. On l'a vu lors de notre troisième journée au col
de Jakja, si je le prononce bien. Et personne. Donc là, on croise les doigts pour avoir deux barques lors du prochain lac, hein, pour pouvoir faire la traversée. Mais il y a 3 km 600 à faire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de vent non plus. Hein. On voit tout le chemin parcouru. C'est impressionnant. Nous arrivons au lac de Citeaujore. Avant, il était possible de traverser le lac en barque. Mais désormais, les randonneurs n'ont plus le choix et doivent payer pour réaliser la traversée de 3,6 km en bateau à moteur. Donc il y avait 2 randonneurs qui nous avaient prévenus comme quoi il y a eu trop d'accidents et du coup c'est pour ça qu'ils ont retiré les barques sur cette traversée. Donc on est obligé de prendre le bateau. Ça secouait, hein. Ouais, c'était une belle balade. J'étais moins mouillée que notre traversée, quand même. Chacun son tour. Quand c'est parti, on va rejoindre la montagne qui est en face. On va faire une montée et une descente pour rejoindre un autre lac. La montée est d'abord relativement douce, mais devient plus compliquée ensuite. Au fond, le lac que l'on a traversé. Et à gauche, la montée. On n'en peut plus. Des rochers, là, ça a l'air bien galère. On voit un randonneur là-haut, il fait une pause tous les 4 mètres. C'est dur, hein. Nous apercevons le second lac qu'il faudra traverser. Cette fois-ci, nous avons le choix. Soit nous réalisons les 3 km en barque en suivant des bouées pour prendre la bonne direction, soit nous payons la traversée en bateau à moteur. Nous allons déjà voir s'il y a bien 2 barques sur notre rive pour prendre la décision. Verdict, 4 barques, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, par contre ça souffle. Hein. Je crois que j'ai une bouée là-bas. Je suis pas sûr, hein, donc il va falloir suivre la montre. Hein. C'est la galère. Le tout, c'est de pas chavirer. Hein. Alors, applique-toi. On retourne parce que putain. Faut que tu ailles vers là. Mauvaise direction. Je suis déjà mort. On a fait 200 mètres. Et en plus, on zigzag, donc ça compte pas. Quoi. Capitaine, elle est là. Regardez comme c'est beau. On est au milieu, sauf qu'on n'a même pas fait la moitié du chemin. On doit aller tout là-bas. Là-bas. On commence à avoir le rythme, mais bon. Il faut faire les 150 000 pauses. Hein. Le problème, c'est que les pagaies sont super lourdes. C'est les pagaies en bois, je peux vous dire que c'est hyper dur. Allez, on se retrouve de l'autre côté de la rive, si on y arrive. Bon, mauvaise nouvelle. Nous sommes revenus sur la rive. On a passé 2h30 à ramer. On a atteint donc le milieu de lac, donc tout allait bien. Je pense qu'on était protégé par des petites îles au milieu du lac. Ensuite, le vent s'est levé encore beaucoup plus intense, mais on était à contre-courant. Il nous a fait dériver quasiment de 500 mètres, 1 km. Pendant une heure, on a fait du surplace. Je le voyais avec ma montre GPS. Donc, nous sommes revenus sur la rive pour ramener la barque. Et ensuite, on a décidé de planter la tente au chalet. Et je comprends mieux aussi pourquoi toutes les barques étaient... de ce côté de la rive, hein, parce que personne n'a pris le risque de traverser à contre-courant. Voilà. Allez, sur ce, bonne nuit et à demain. Jour 7, on est fatigué. Ils ont fait que ronfler à côté dans la tente. Et toutes nos affaires sont humides. Beaucoup d'humidité ce matin. Il n'y a plus toute la nuit quasiment. Voilà, on est fracas, mais bon, allez. On va pas faire beaucoup de kilomètres, je pense, aujourd'hui. Cette fois, le lac est d'un calme plat.
direction l'autre rive pour partir dans le parc national de Sarek. Nous aurions pu retenter la traversée en barque, mais nous n'avons plus de force dans les bras. C'est reparti pour une nouvelle étape. La journée d'hier nous a tués. On n'a pas de force, on fait à peine du 2 km/h. On va essayer de rejoindre l'abri pour manger et prendre des forces. Alors on vient de croiser deux Français qui ont tenté eux aussi la barque, mais avant nous. Et ils ont eu le même cas que nous. En fait, c'est à partir du milieu du lac, il y avait beaucoup plus de courant et ils faisaient du surplace. Donc ils ont décidé de revenir sur la rive. Donc d'un coup, on se sent moins stupide. On n'a pas de prévision de météo, on capte pas du tout Internet. Donc si on pouvait connaître la météo, le vent, on pourrait savoir, les vents surtout, oui. On pourrait savoir si on peut embarquer ou pas. Personne. Allez, après un bon repas chaud lyophilisé, c'est reparti. D'étape, donc là il va être déjà 19h, donc on va essayer de trouver un endroit où bivouaquer et puis fin de la journée. Hein. Nous quittons le parc national de Sarek pour arriver au refuge de Part situé près d'un lac. Planter la tente à côté du chalet était payant, donc on est revenu 250 mètres en arrière et voilà notre emplacement dans la forêt. Jour 8, direction Bikiok. Les 16 prochains kilomètres se feront entièrement dans la forêt et malgré le faible dénivelé, le terrain n'est pas évident. De la section 2 et maintenant on va entamer la section 3. Et pour ça il faut prendre un bateau à moteur, donc il faut réserver. Alors il y a des panneaux là nous indiquant où appeler pour réserver. Ça va Lamia? Oui. The big super captain. mon anglais est pas terrible mais voilà. Mais ça juste. Mais je vais arriver à me faire comprendre. Allez, c'est parti! On va essayer de trouver un endroit où poser notre tente assez rapidement. En faisant attention, c'est très marécageux hein, le terrain. On arrive au chalet, il est là. Par contre là, il y a un coin pour bivouaquer. Donc on va se mettre là. Regardez notre emplacement, il est beau hein. Lamia qui fait son linge.
c'est pas tout ça, mais maintenant on va aller au lit, hein, parce que demain, rebelote. Jour 9. Un beau ciel bleu aujourd'hui. Pour une fois, on va pouvoir faire sécher les vêtements. Il est 6h15, nous attaquons l'ascension de la journée. Et comme tous les matins, nous partons sans manger. Nous prendrons le petit déjeuner après une heure de marche. Alors Mia, assieds-toi sur mon canapé. Séance de psy. Regarde. Ah. Regarde, je vais mettre internet là. Regarde, c'est la chaîne Marseille Provence Productions. C'est pas beau? Ah, c'est magnifique. Voilà. Là, il faut t'abonner. Hein. Magnifique, hein. Oula, et là il manque une barre. T'as fait faire gaffe, hein. Bon, c'est la même, hein. Avec un barreau en moins. Là aussi. Avec une magnifique vue sur le lac, là. On a planté la tente au bord du lac. Et là, je suis allé chercher l'eau pour ce soir, pour aller pouvoir se faire un brin de toilette, se laver les dents. Et voilà. Allez, je vous amène au campement. Et voilà notre emplacement de bivouac, près du lac. Et on va parler hygiène. Voilà, on a 3 litres d'eau à chaque fois. Hein. Pour se brosser les dents, ben moi j'ai adopté le dentifrice en pastille. C'est assez pratique, ça prend pas beaucoup de place, ça marche très bien. Et on se lave un peu avec des lingettes aussi. Des lingettes aussi, ouais. Des lingettes voilà. Biodégradables. Voilà, mais qu'on met à la poubelle, hein, dans tous oui, les cas. Oui, de toute façon, on transporte nos poubelles. Voilà. Départ 5h45. Nous commençons la journée en longeant le lac. Puis nous nous dirigeons vers le sud-ouest. Pour commencer à prendre de l'altitude sur les flancs du mont Ardna. Avant la prochaine ascension, nous arrivons sur un petit abri original qui peut servir de refuge pour passer la nuit. D'ailleurs, nous y rencontrons deux randonneurs. Rentre, c'est chez moi ici. Là-bas c'est la cuisine, là c'est la poubelle. Ici t'as le salon, hop là, ouais, on est pas mal. Vous avez bien dormi? Ça va. Bah franchement, contre toute attente, plutôt bien. Petite pause repas vers la rivière. Et justement, là, Lamia, je t'ai vu manger pas mal sur le sentier, là, des fruits. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, il y a des baies noires et des baies rouges. Et il y en a plein partout, il y en a de partout. Avant d'y goûter, j'ai demandé à une gardienne si c'était comestible. Donc elle m'a dit que oui. Donc je pense que les noirs, bah, c'est des myrtilles. Par contre, les rouges, il fallait faire attention parce qu'il y en avait des plus clairs, un peu plutôt orange, qui étaient toxiques. Donc je ne prends pas le risque, hein. Je mange que les noirs.
voilà, un nouveau panorama s'offre à nous, en route pour une nouvelle aventure. Il y a tellement de lacs qu'on ne sait même pas vers lequel on va. C'est un point clé du parcours. Tu peux nous dire pourquoi ? On franchit le cercle polaire arctique. C'est ça. Et donc on se dirige vers le sud là. Tu sens une différence ou pas là ? De température ? Ouais, regarde sur le short. Le sentier se faufile dans un complexe de lacs, puis franchit les rapides de la rivière. Fin de cette journée, voici notre lieu de campement à côté du lac. À demain. On va décoller à 7h, c'est la grasse mat ce matin. Pour une fois. Direction le lac Riebnes que nous devons traverser en bateau sur 6 km. Le sentier reprend avec une montée plutôt raide. Près du sommet, nous passons par quelques petits lacs avant de redescendre de l'autre côté. À environ 5 km de Jackvik, nous devons réaliser une dernière traversée de 500 mètres en barque. On est à 1 km des barques et on vient de croiser des randonneurs qui nous ont confirmé qu'il y avait bien deux barques sur notre rive. Donc maintenant, il ne faut pas se faire doubler par les deux Français qui sont derrière nous pour pouvoir partir sans faire trois traversées de lacs. Donc effectivement, il y a bien deux barques. On va prendre celle-là. Et on doit aller certainement en face, là-bas. Et on n'oublie pas les gilets de sauvetage. Voilà, on va partir à 4 avec Hugo et Elliot. Et là, les deux devant, là, on regarde s'ils travaillent bien. Allez. Elliot, tu donnes le rythme. La mienne, elle fait semblant. Non, c'est pas vrai. Hugo, il envoie. Allez, c'est reparti, direction Jackvik. Ah, quel plaisir de retrouver un sentier non boueux, non caillouteux. Plat. Plat. Mais vraiment plat, hein, pas qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. On te dit que c'est plat. Retour sur les sentiers, ça n'a pas duré longtemps. Donc là, notre objectif, c'est d'aller au supermarché de Jackvik. Donc se requinquer, on va prendre une bonne boisson énergisante. Et ensuite, on va essayer de trouver un endroit où bivouaquer, idéalement à côté, ce serait pas mal. Les premières habitations de Jackvik. On y est. Fin de la section 3. Voilà, petite pause au supermarché. Et en plus, il y a les tables à l'extérieur, donc c'est parfait. C'est parti pour la quatrième section, départ de Jackvik. Et il est 18h, donc on va essayer de trouver un endroit où bivouaquer. Voilà, finalement, c'est dans la montée que nous avons décidé de mettre notre tente. Alors, regardez, comme on est bien en forêt. Comme ça, on est à l'abri du vent. Et on a même notre petit banc. Jour 12. Il a bien plu. Le sentier va être trempé. Donc là, c'est l'heure de nettoyer un peu la tente dans le vélo. Pour avoir moins de poids à porter aussi quand je vais la plier. Parce que sinon, je vais en baver. Départ 7h15. Et le sentier est devenu une rivière. Petite pause pour le petit déjeuner à l'abri et après on repart.
j'arrive. Oh, si on peut s'abriter un peu. Ah, mais il y a déjà quelqu'un. Ah mais qui sait, on voit rien là. Mais oh, t'es déjà là. Attends, tu vas vite hein. T'es une fusée. Surtout quand je glisse comme ça. J'arrive direct de la maison. Direction Adolf Strom. Nous essayons de nous mettre des objectifs afin de rester motivés dans notre avancée malgré la météo. Et l'objectif de notre journée est bientôt atteint, puisqu'au bout de cette longue descente se trouve le village d'Adolf Strom. On a fait 7 km, en plus il pleut toutes les 5 minutes. Du coup, on a mis la tente ici, près du lac. Là, je vais aller chercher de l'eau et je vous dis à demain. Départ 5h30, bon bah il a plu toute la nuit, les rochers sont bien glissants, il va falloir faire attention aujourd'hui, ça va être encore du patinage artistique. Après avoir contourné le lac Iraft sur 8 km, nous rejoignons les chalets de Baverholmen où nous ferons une pause. On est désormais 4 km pour rejoindre un abri et faire notre repas chaud. Et voilà, après un bon repas, c'est l'heure de repartir. Et on n'oublie pas de ramener ses déchets. Il n'y a pas de poubelle dans les chalets ou les abris. Donc il faut ramener tous ses déchets sur soi. Alors il y a un abri dans 500 mètres, mais c'est hors sentier, du coup nous on va continuer sur le Kungsleden et mettre la tente dans 5 km. Voilà, on va pas faire un aller-retour de 500 mètres, ça fait 1 km en plus, franchement on est déjà bien fatigué. Voilà, des marécages. On va essayer de bivouaquer là, emplacement du soir, vers la rivière. Un des meilleurs spots qu'on ait fait. Je pense, oui. On a un peu de vent, mais en plus on a la fatigue, mais en réalité on n'a pas trop, on n'a pas froid en fait. On est bien. On est bien. Ouais. Jour 14, le réveil est difficile, on a eu froid cette nuit. Ça va toi, Mamia? Moi ça va, j'ai mal partout, aux pieds, aux jambes, aux orteils, mais ça va. Aujourd'hui, normalement, il va faire beau, d'après ce qu'on nous a dit. On va voir. Et si c'est le cas, ben, on va faire beaucoup de kilomètres. Allez, c'est parti. L'ascension est raide mais arrive rapidement sur un plateau.
La vue en arrière est très variée, laissant apparaître la mosaïque de paysages traversés auparavant. Et puis ça glisse, hein. Sincèrement, vous ne pouvez pas vous perdre sur la Kingsleden. C'est impossible. Il y a un balisage tous les 50 mètres. Regardez. Voilà. Et là-bas. Et là, après. Enfin la descente. Cette portion était très belle, mais interminable. Nous avons hâte d'atteindre le refuge pour faire notre pause repas. 22 km parcourus. On va faire une bonne pause là. Petite sieste au soleil. Étant donné que la météo est favorable, notre objectif de l'après-midi est d'atteindre un abri situé à environ 12 km. Donc là, on vient de recharger en eau dans une rivière parce qu'on n'en croise plus pendant 8 km. Donc j'ai sur moi une carte qui permet de voir un peu les cours d'eau et parce qu'on n'a que 500 ml de flasque chacun. Donc ça permet de porter le minimum de poids en ce qui concerne l'eau. Dernière ascension de la section 4, quasiment finalisée, on est fiers. Regardez, on était là-bas, on a descendu, tac, et là on a tout remonté jusqu'ici, l'équivalent de ce qu'on a descendu là-bas. Alors, au loin, on aperçoit l'abri de secours. On va aller voir si on peut mettre notre tente à proximité. Fin de journée, près d'un magnifique lac, avec un joli coucher de soleil et l'abri d'urgence. Welcome, jour 15. Voilà, la tente est trempée, je vais l'essuyer et puis c'est parti pour une nouvelle journée. Départ 7h15, direction Amarnas qui se situe dans 11 km. De la section 4. Après une pause de 2 heures, nous voici partis sur la 5e et dernière section de Amarnas à Emavan. Cette section s'étend sur 78 km et elle commence par une raide ascension. Juste au-dessus de la limite de la forêt se trouvent les premiers chalets de cette 5e section. Fin d'étape, on s'est installé à quelques pas du chalet. Et voilà. Et demain, on monte à haut. Par 6 heures avec beaucoup de vent. Cette première ascension se passe plutôt bien. Toutefois, nous prenons le temps de faire des pauses pour profiter du paysage.
Le sentier continue dans une sorte de haute plaine rocheuse où nous croiserons des rennes, dont un qui est totalement blanc. À la fin de cette plaine, le sentier arrive à un abri. Un grand panorama s'offre alors à nous. Après la descente, nous reprenons de l'altitude et nous croisons à nouveau un abri. Il ne pleut pas, nous prenons la décision de continuer. Arrivés à un chalet, nous hésitons à dormir ici. Mais finalement, nous prenons notre pause repas et nous repartons car il est encore tôt. Regardez, bivouac de rêve. Si là je vous fais pas rêver là, si ça vous donne pas envie de faire ce genre d'aventure là, je sais pas comment m'y prendre. Hein. Départ 6h40. Le sentier descend rapidement pour prendre la direction du lac Tarnajom. Après une pause déjeuner, nous allons longer le lac pendant 9 km, ce qui va nous sembler interminable. Pour traverser le lac, nous allons prendre plusieurs ponts reliant différents îlots entre eux. C'est un de nos passages préférés du Kungsleden. Dernière ascension et nous aurons fini notre journée. Un petit mot quand même sur cette montée ? Eh bien... c'est dur, mais c'est beau. La pluie commence à arriver, donc on a mis la tente à côté du chalet, de l'autre côté de la rivière. Donc là, je vais vite rentrer mes affaires et je vous dis à demain. Départ 6h30 pour la 18e journée. On attaque la dernière grosse ascension de notre périple. L'arrivée dans 20 km.
de hors calette. C'est parti pour la dernière étape, direction Emavan. Il reste entre 10 et 11 km. Bon, Damia, bientôt la fin de l'aventure. 6 km nous séparent des Mavan. Il y a eu des moments de joie et des moments de pleurs que je n'ai pas filmés. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'est la difficulté, mais la beauté de la nature, toujours la beauté de la nature, cette sensation de liberté, c'est super agréable. Mais c'est pas facile. Quand on sort de son état dans son confort, c'est là qu'on ressent vraiment la liberté. Notre aventure sur le Kungsleden touche bientôt à sa fin puisque nous débutons la descente en arrivant au domaine de ski de Emavan. Ce voyage a été une épreuve de résistance et de volonté, mais aussi une source d'inspiration et de renouveau. Le Kungsleden n'est pas seulement un sentier de randonnée, c'est une invitation à se reconnecter avec la nature, à se retrouver soi-même et à découvrir la beauté du monde sous son aspect le plus pur. Le sentier se termine au Naturum d'Emavan. Au final, nous aurons parcouru 460 km au lieu des 440 km annoncés sur le papier. Fin du périple, nous avons bouclé la Kungsleden en 18 jours. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à vous abonner aux réseaux sociaux de Marseille Provence Productions pour suivre les prochaines aventures. À bientôt !